Comme toujours, cette intro et cette musique sont tout simplement mythiques et excellentes. Salut à tous, c'est Derk Isae. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo test, ou plutôt une sorte de vidéo test sur The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, comme vous le voyez à l'écran titre, donc remake du cultissime Zelda Ocarina of Time, sorti sur 64 en 98, donc en 98, et ressorti en 2011 sur 3DS, comme vous le voyez en bas. Oui, je ne compte pas les versions sorties sur GameCube et Wii, car ce sont juste des portages. Donc moi j'ai toujours vu ça comme des portages. Tandis que sur cette version, c'est vraiment un remake pur et dur. Donc, le jeu a été totalement refait graphiquement. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup mieux. Enfin, graphiquement, il est beaucoup plus beau. Mais bon, je ne vais pas m'attarder sur ces petits détails. Donc, hop, c'est parti. Je peux vous dire que c'est pas évident de jouer sans avoir totalement accès au joystick ou à la gâchette. Aux gâchettes. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Alors, je vais juste vous montrer quelques particularités de ce Zelda. Enfin, particularités non, mais comment le jeu a été refait pour qu'il soit plus accessible. Alors, je vais juste sortir. Bon, oui, j'étais à la tour de Ganon. Mais je vais juste sortir pour vous montrer très très vite fait tout ce qu'il y a de nouveau. A commencer par l'écran tactile. Et oui, parce que l'écran tactile maintenant sert à énormément de choses. Alors je vais vous montrer tout ça, attention. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, sur l'écran tactile, on a carrément toutes les informations. Donc la vue, voilà, permet de voir par les yeux de Link. Ensuite, on peut bouger la 3DS pour faire bouger la tête de Link. Bon, je sais, je cadre mal, mais pour montrer l'exemple, je peux pas faire mieux. Donc, je vais juste refaire revenir la vue en normal. Ensuite, ici, on a la bourse de rubis. Enfin, bon, les rubis qu'on a. Là, c'est le nombre des clés pour les donjons. Ici, l'ocarina. Je vais y arriver, voilà. Alors là, l'ocarina, bon, il n'y a pas les touches jaunes, donc c'est les touches de la DS, hein, L, R, X, Y. Et ce qui est bien, c'est qu'on a directement accès aux musiques en appuyant sur ce petit bouton-là, aux chansons. Donc la Verseuse de Zelda, Chant du Soleil, Menu à des bois, Requiem des Esprits, Nocturne de l'Ombre, etc., etc. Alors juste pour le plaisir, hop. Alors attendez, j'essaie de vous faire une chanson, même si c'est pas évident. Voilà. Non, je ne veux pas parler à Saria. Oui, vas-y, je vais. Link, continue ta quête. T'inquiète pas, j'y vais. Donc, on retourne à l'écran d'en bas. Ensuite, on a l'écran quête. Donc, l'écran quête, c'est là où il y a toutes les sculptures, les cartes de cœur. Enfin, bon, tout ce qui fait l'équipement de Link. Hein, vraiment. Par exemple, bon là, les différentes épées, l'épée de légende, l'épée bigoron, le bouclier miroir, les tuniques bleues, rouges et vertes, le carquois, les bombes, les gantelets, les cahiers d'argent, etc., etc. Là, le nombre de sculptures là, ça c'est la carte Gerudo, donc pour les connaisseurs, hein, pour la vallée Gerudo, on peut aller dans le donjon de Gerudo et obtenir les flèches de glace. Là, la pierre de souffrance. Donc là, dans cette version, la pierre de souffrance, elle ne fait pas vibrer la 3DS, mais elle apparaîtra ici, en haut de l'écran, à droite, et elle fera un petit bruit, titing, titing, indiquant qu'il y a une grotte secrète ou quelque chose juste à côté. Bon, après, voilà, hein, Ocarina du Temps, les trois pierres ancestrales, les différents médaillons et les cartes de cœur, voilà. Donc, on va passer ensuite à l'écran carte. L'écran carte donc qui nous montre toute la carte d'Hyrule, hein, Forêt de Kikiri, Bois Perdu, Plaine d'Hyrule, Ranch Lonlon, Ilakilia, etc., etc. Oui, j'ai fait les sculptures là partout, hein, ça c'est ma partie normale où j'ai toutes les sculptures là.
mais pas encore tous les quarts de cœur. Et donc la partie objet. Et là, vous pouvez voir normalement que les bottes de plomb et d'air ne sont plus dans l'écran quête, mais dans l'écran des objets. Ce qui fait qu'on peut les mettre en raccourci sur les boutons. Bon, 1 et 2, c'est les boutons 1 et 2 sont des boutons tactiles. Quant aux boutons X, Y, ils sont plus accessibles. Mais bon, par exemple, là, vous voyez que j'ai la bouteille. Les bottes d'air, les flèches de. Ben, l'arc en fait, l'arc et les flèches de feu, de lumière, de glace. Et là, la fée. Là, je vais vous montrer par exemple. Hop, alors, quand j'appuie sur X, voilà ce qui arrive. J'ai les bottes d'air. Et ça, c'est franchement super pratique. Parce que. Voilà. On n'a plus besoin de repasser par le menu. On n'a qu'à assigner les objets au bouton. Et. On peut les enlever directement. Bon, je propose juste l'iPhone, parce que je filme avec l'iPhone, hein, juste pour votre information. Ok, maintenant, le côté technique, on l'a fait. Maintenant, je vais juste vous parler du fait que le jeu est beaucoup plus fluide que l'original. Par exemple, je pense que vous vous en rappelez, des fois, en donnant des coups d'épée, disons que Link. Ça faisait ramer le jeu parce que déjà il y avait le monstre, il y avait l'impact de l'épée et le mouvement de Link, donc ça faisait beaucoup de choses pour la 64 et ça la faisait ramer. Alors je vais juste vous montrer par exemple là sur les zombies. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus fluide que la version originale. Je ne sais pas pour vous. Mais bon, voilà, c'est beaucoup plus fluide. Bon, graphiquement, rien à dire, hein. Le jeu a subi une refonte totale graphique. Donc naturellement, il est tout simplement magnifique. C'était dommage que je peux pas filmer avec la 3D, parce que sinon je vous aurais montré la profondeur de la plaine d'Hyrule. En 3D, ça rend vraiment super bien, quoi. Après, Ah oui, je vous ai pas montré certains trucs. Par exemple, la place du marché, elle a été totalement refaite. Elle n'a pratiquement rien à voir graphiquement avec la place du marché fumier. Son forêt de. Hop, voilà, de spectre là. Putain, il m'a niqué ma vidéo, va, hein, fumier. Donc, je vais juste vous montrer la place du marché en étant enfant, qui a franchement radicalement changé hein, au niveau graphique. De toute façon, tout le jeu a totalement changé niveau graphiquement. J'essaie de bien cadrer, hein. Excusez-moi. Donc là, hop, on passe à côté de nos amis les effrois. Ce bruit quand j'étais petit me faisait flipper, mais d'une force. Comme toujours, le magnifique temple du temps. Hein. Comme Dark Chris l'a si bien fait remarquer dans sa dernière vidéo. Alors. Ah oui, aussi une nouvelle particularité, c'est ça. C'est les pierres Sheikah. Alors, juste pour répondre à Dark Chris à sa dernière vidéo d'Ocarina of Time, les pierres à potins sont toujours là. Je pense qu'on peut toujours le faire avec le masque. Je ne l'ai pas pris. Enfin, je crois que je l'ai. Je vais juste voir. Si, si, je l'ai. Donc, normalement, elles sont toujours là, les pierres à potins. Donc, elles sont toujours disponibles. Là, les pierres Sheikah, si vous avez vu ma vidéo un peu sur le casual. Eh bien, il nous aide si on est bloqué. Donc, il nous transmet une sorte de vision. Je vais vous en montrer un tout petit peu. Donc, par exemple, hop, là, on a les différentes régions. Donc, Hyrule, Bonus, Château de Ganon, Temple de l'Esprit, Temple de l'Ombre. Par exemple, allez, soyons fous, Temple de l'eau. Voilà. Après, ça se montre par différentes visions en fait. Voilà, bon, on va prendre votre pire ennemi. Et donc voilà, là il nous montre une sorte de tutoriel pour battre notre adversaire. Voilà. Après, c'est pareil pour les énigmes, hein. Par exemple, c'est quoi? Courant violent. Donc on va juste aller voir, vite fait. Voilà, ça nous montre vraiment
par petite vision comment procéder dans le jeu si on est bloqué. C'est pas le but de cette vidéo. Enfin, je voulais juste vous montrer cette particularité parce que c'était juste ça. Donc, aussi à savoir, je vais juste attendez, hein. Je vais juste reprendre les flèches normales. Voilà. Voilà. Donc, ah mais je peux pas tirer ici. Et oui, c'est un temple sacré, on fait pas les ponts dedans. Donc bon, bah, c'est pas grave, je vous montrerai avec le lance-pierre de Link enfant. Donc évidemment, on va reposer l'épée de légende juste 2 secondes pour redevenir enfant. Alors à savoir que les musiques sont les mêmes, hein, sont les mêmes que l'original. Elles n'ont pas du tout changé. Le niveau sonore est le même. Enfin, le niveau sonore non, mais la qualité sonore est la même que l'original. Donc voilà, Link enfant. Voilà, toujours aussi hargneux, comme on dit. Si je puis dire. Donc je vais juste vous montrer très très vite fait la place du marché et vous montrer surtout le lance-pierre en mode avec la visée de la DS. Donc ça marche également comme pour voir à la première personne, hein. On peut viser avec ça s'appelle le gyroscope de la 3DS. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et là, regardez la place du marché quand même. Regardez la foire au masque déjà, elle a complètement changé. Ça n'a plus rien à voir avec l'original. Hein. Là, la fontaine, elle a totalement changé. Elle n'était pas du tout comme ça à l'époque. Là où il n'y avait pas ces. D'après mes souvenirs, il n'y avait pas ces machins-là verts, enfin, ces lierres en haut. Non, franchement, la place du marché a énormément changé par rapport à l'original. Ce que je peux dire d'autre. Principalement, le jeu est le même. Hein. Donc, déjà, tout ce qui est aspect technique, je l'ai montré. Hein. C'est quasiment la même chose. Et donc là, bah, voilà. Là, vous voyez, ce petit symbole dit qu'avec la 3DS, on peut voilà, changer la visée. Hop. Donc là, par exemple, bon, c'est pas super évident, hein, donc, à vous montrer. Oui, on peut bouger avec le joystick pour viser, mais c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus lent et donc en combat ça peut être assez désavantageux. C'est pour ça qu'il est recommandé d'utiliser la visée avec gyroscope, car elle au moins elle permet tout simplement de. Ah putain, je trouve plus mes mots. Bah, disons qu'elle est plus rapide et donc permet une meilleure visée. Bon, c'est clair que contre les boss, on peut les loquer hein, avec les gâchettes R, donc R pour se protéger et L pour loquer. Bien sûr qu'on peut les loquer, hein, mais c'est juste que pour les énigmes, par exemple, où il faut tirer sur les yeux ou les trucs comme ça, et bah disons que c'est. C'est préférable d'utiliser la visée avec gyroscope. Voilà. Je vais juste reprendre l'épée de légende pour redevenir adulte. Et après, je vous retrouve directement. Enfin, après, je quitterai le mode normal. C'est un petit peu trop près. Pour vous montrer le mode Master Quest. Voilà, toujours comme ça. Ok, je vous retrouve. Enfin, non, je vous retrouve pas parce que je vais pas faire une coupure. Donc, le système de sauvegarde, on appuie sur Start, ça nous fait sauvegarder. Après, on peut quitter ou continuer. Je quitte. Donc, on revient à l'écran titre. Non, merde, je suis de nouveau retourné sur le jeu normal. Que je suis con. Hop, Master Quest. Voilà, explorer un monde différent proposant des épreuves encore plus redoutables. Bah écoutez, c'est parti. Bon, par contre, dans cette partie, j'ai vraiment. Enfin, je l'ai fini, mais. Niveau quart de cœur et. Niveau quart de cœur et comment ça s'appelle? Sculptula, je suis vraiment à la ramasse parce que les Sculptula ont totalement changé de place. Mais bon. Alors, la particularité de Master Quest, c'est que les donjons sont plus difficiles, hein. Donc les pièces de donjon ont totalement changé, mais la particularité de Master Quest 3DS,
est que tout le jeu est en mode miroir. Donc à la base, pour sortir du château de Ganondorf, eh ben, on devait aller par la droite. Seulement que c'est pas, seulement que là, dans la version 3DS, pour sortir du château de Ganon, faut aller à gauche. Eh oui. Donc c'est assez déroutant la première fois pour les habitudes de Ocarina of Time. J'avoue que moi, la première fois que j'ai joué, par habitude, quand je sortais de la forêt Kokiri au tout début, bah, j'allais directement à droite pour aller au château d'Hyrule. Et ben, en faisant ça, je me suis retrouvé directement au lac Illia. Alors quand j'ai vu que j'étais arrivé au lac Illia, je me suis dit, mais what the fuck? Donc vous voyez, hein, ça a totalement changé. Pour entendre cette maison, elle était... Enfin, tout ça, c'était de ce côté là-bas. Ça a vraiment totalement changé. On se retrouve vraiment, comme je le dis, c'est vraiment sur la plaine d'Hyrule que c'est flagrant. Donc le ranch long long était là. Maintenant il est là. Voilà, le ranch long long est là-bas. Et le mont du péril est là-bas. Alors que normalement il devait être à droite. Franchement, ça a pas l'air comme ça, mais la première fois c'est vachement déroutant quand même. Donc je vais juste appeler Epona. Évidemment, hein. Epona, notre fidèle destrier. Oula, excusez-moi, j'ai heurté ma 3DS. J'essaie de me dédonner un peu l'écran. Voilà. Donc, bon, bah, toujours le même système hein, avec les carottes. Ah, ça, c'est un spectre spécial. Bon, de toute façon, c'est pas grave, je ferai ça sans doute pas. Donc, il faut tuer 10 spectres comme cela et les capturer dans une bouteille et les amener au vendeur d'esprit là de la place du marché en étant adulte. Et si on arrive à attraper les 10, bah, ils nous donnent une nouvelle bouteille. Alors, je vais essayer de me diriger vers la vallée de Gerudo. Ouais, bah, vu que c'est totalement en mode miroir, j'ai totalement oublié où c'est. Ah, bah, c'est pas, c'est à gauche. Et on va se quitter après sur la musique de la vallée de Gerudo qui est toujours aussi excellentissime. Hein. Alors, ouais, c'est bon, je peux y accéder normalement. Oui. Je vous dis franchement, en mode miroir, c'est pas évident de s'y retrouver. Mais en tout cas, j'ai de la peine. Oh, mais qu'est-ce que tu me fais, Epona? Bon, ce qui est pareil, il y a toujours des bugs qui sont présents, comme par exemple rentrer dans le ventre de Jabu Jabu en étant Link adulte. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé, mais je l'essayerai sûrement en neuf. Et voilà, la vallée de Gerudo, hein, donc la région qui a, à mon goût, enfin à mon avis, la meilleure musique de tout le jeu. Alors, je vais juste descendre en Deplona. Voilà, hop, par contre le changement de soleil, ça je m'en rappelle plus. Ok, YRA, YRA, ok. Voilà. Et on va se quitter donc sur cette musique. Avec le feu de nain. Voilà, j'espère que cette petite vidéo test d'Ocarina of Time 3DS vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pas hésité à aller l'acheter. Hein. Franchement, c'est Ocarina of Time, c'est un excellentissime épisode. Même si mon préféré reste Majora's Mask. Mais, il n'en demeure pas moins excellent du tout. Je vais vous montrer la gueule de Link, même si c'est pas évident. Bon, voilà. Petit Link. Ah, désolé, j'avais un petit peu l'effet 3D activé, j'avais même pas grillé. Voilà, donc je vous quitte là pour cette vidéo test, encore une fois, sur Ocarina of Time 3DS. Si vous voulez... Je trouve que c'est quand même un bon moyen pour ceux qui n'ont pas pu le faire, la version originale, de découvrir le jeu. Et si vraiment vous ne l'avez pas fait, le jeu original, et que vous avez une 3DS, franchement, n'hésitez pas à l'acheter, hein.
Que ce soit pour le découvrir ou le redécouvrir, franchement, il en vaut sacrément la peine. Voilà. Allez, je vous retrouve bientôt pour la suite de mes vidéos. Bye bye tout le monde, prenez soin de vous.